Hello les amis, alors où on est? Eh bien, il y a des petits bateaux au fond et il y a des gradins qui se construisent. Eh bien, on est au mois d'avril à Monaco, le Grand Prix se prépare et on va voir des petites voitures, bon, un peu plus classiques que les Formule 1. Voilà, alors je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous aimez les voitures. Alors voilà, ça c'est un petit glacier sur le côté du port où les glaces sont très bonnes. Voilà, moi j'adore, je m'y arrête avec mon ami dès qu'on a un petit moment. Alors, et là, qu'est-ce qu'on a? Prestige Car. Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui comme voiture? Alors, une Aston. Bah, tiens, on va même pouvoir voir les prix. Bon, Mercedes classée, c'est pas assez chic. McLaren 499 000, Bentley 143, Rolls 250. Petit Aventador 270 000. Bon, c'est bien. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Une Bentley au fond, une petite Cabrio 458. Ouais, 458. Alors, une 488. Ah, c'est pas mal ça. Ensuite, Bentley. Bon, celle-là, elle est pas super chère. Ah, ça, par contre, c'est plus cher. Hein. Putain, 690 000. 117 pour la petite Porsche, 284 pour la Ferrari. Voilà. Il y a une moto aussi et il y a des Ferrari, des Ferrari et des Ferrari. Et là-bas, qu'est-ce qu'on a là-bas au fond? Ah, j'arrive pas à voir, je sais pas du tout ce que c'est. Aidez-moi les amis là-bas au fond. Derrière la Ferrari rouge et blanche. Oups, peut-être que vous la verrez mieux comme ça. Non, je sais pas. Très franchement, je sais pas. Les ailes sont larges. Je sais pas du tout. Bon, c'est pas grave. Alors, est-ce que vous avez aimé les amis cette petite vidéo? Si oui, mettez-moi un petit pouce bleu. Et puis, si vous avez envie de vous faire plaisir en essayant, par exemple, ce genre de bolide, eh bien, c'est super simple. C'est pas inaccessible. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup d'argent pour ça. Même pas du tout. Vous devenez simplement blogueur, blogueuse ou blogueur, blogueuse en luxury.fr. Et puis, vous allez vivre des super, super moments en montant à bord de petits bolides comme ça. Simplement en disant aux commerçants, écoutez monsieur, vous avez cette voiture à vendre, je vous propose de faire un petit reportage vidéo sur cette voiture, comme si j'étais un client. Donc on montre tout, hein, la voiture, le moteur, vous la conduisez, ensuite je la conduis et on glisse dans la vidéo. Voilà, cette voiture est à vendre, par exemple, chez ce pro. Voilà, et comme ça, je pense que le pro ne vous refusera pas le reportage. Parce qu'en fait, c'est comme si vous étiez un client. Donc, l'essai, il ne vend pas forcément toutes ses voitures à tous les clients qui essayent. Donc, il n'y a pas de raison qu'il vous refuse 20 ou 30 minutes de roulage à bord de petits bolides comme ceci. Voilà. Donc, c'est à la portée de tout le monde. Hein. Moi, je suis blogueur depuis peu de temps. Mais comment j'arrive à me faire plaisir avec le luxe? Eh bien, c'est super simple. J'ai un support de grande, grande qualité. Donc, only-luxury.fr. Et donc du coup, eh ben, les pros ont tout intérêt à communiquer sur mon support. Donc c'est comme ça que j'ai par exemple obtenu une accréditation de blogueur pro à Top Marque Monaco en 4 jours, 3-4 jours. Donc je leur ai demandé une accréditation en tant que blogueur donc sur leur site, topmarquemonaco.com, quelque chose comme ça. Ils ont regardé mon blog et puis 3-4 jours après, ils m'ont dit « Ok, voilà, vous avez le feu vert pour avoir un badge blogueur pro et donc l'entrée gratuite. » Et en plus de ça, il y a un pot d'accueil à 18h30, donc le premier jour du salon, donc de 18h30 à 20h, où en fait, on va se faire inviter par Top Marque et on va boire, voilà, on va être invité au buffet, boisson, etc. Donc c'est super, je vais filmer ça, bien entendu. Et voilà, bah ça me coûte rien. Ça me coûte rien. Donc, je vous invite à faire la même chose que moi, c'est-à-dire de vous faire vraiment plaisir avec le luxe et ce qui vous plaît, parce que le luxe, c'est pas seulement les voitures, c'est beaucoup d'autres choses également. Et puis, appréciez la vie, mes amis. C'est gratuit, profitez-en. Allez voir sur mon blog only-luxury.fr et le site only-luxury.com. Vous verrez qu'on a de quoi convaincre les pros à communiquer sur notre support. Voilà. Allez, à bientôt à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.